Bonjour à tous, ici le Formic. Je vais casser la game opposant C'est une MK seconde à remaining. PI, Miyakage contre Bot Insane. 5 seconds remaining. Donc le Bot Insane ont commencé par Pan Silencer au Warlock, First Pick Shaker. Les Giant MK ils ont Infinity. commencé par Pan Witch Doctor. Omni et AM. Là c'est aux MK de faire leur dual pick, donc ils ont commencé par Witch Doctor. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Dark Seer. Docteur et Darkseer. Dire team ban. Donc là, les picks sont plutôt, on va dire, lisibles, si on peut dire ça comme ça. Parce que, du côté des MK, parce que bon, Docteur, c'est évident que c'est un support. Sauf s'ils veulent le jouer mid. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et en face, c'est Ten Darkseer, seconds c'est sûrement l'offlane. Après, BI, ils ont pris Pudge et Shaker. remaining. 5 seconds remaining. Pudge, en général, il est toujours support trop mine. Position 4, comme le disent certains. Et Shaker, il y a le choix, tu peux le mettre soit en position 5, soit en offlane. Radiant team ban. Depuis l'été, c'est très populaire, le Shaker offlane. Donc là, les MK, ils ont ban le Invoker. Dire team ban. C'est vrai qu'un invoker est toujours puissant, hein. Là, rarement il était bas level. Après, Bot Insane qui banne le Sven. Ils ont peur de se faire OS ensemble et des trucs comme ça. Se faire OS en groupe. Sven. Radiant team Ah lead oui, man. avec le Darkseer. Darkseer Sven, ils ont peur de se faire combo. Après, les MK, ils ont ban Magnus. C'est vrai que si, bon. C'est pas trop bien se placer, Magnus ça c'est assez broken, ça peut RP et bon ça peut complètement reverse Ten des fights si on est seconds mal placé. remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Il banne Duzza. Ah, les Bot Insane ont vraiment peur du combo. Un combo Darkseer avec un carry AoE. Alors on voit ils ont ban Sven et Duzza. Bon, c'est les carry les parmi les plus AoE les deux. Ten Ça seconds peut faire remaining. masse damage, c'est vrai. Un gros un bon Five Vakoum, mais ça seconds peut reverse. remaining. Enfin, ça peut direct il est une fight une fois. C'est vrai que bon, ça c'est compliqué. AMK de faire le premier troisième pick. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont en tête. Probablement ils vont prendre le deuxième support, le support trop mine ou position 4. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Ouais, Bara, voilà. Bara, il ira peut-être avec Darkseer pour les level 2, level 1, 2, ou le peut-être même 3, et après il va commencer à tourner. Ten seconds remaining. Oh, c'est caillé là. 5 seconds remaining. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Après, les BIs ont pris Necrophos. Donc Necrophos, c'est peut-être un mid. Ouais, peut-être un mid. On verra. Radiant team pick. Sound Warlord. Troll, donc les MK qui ont pris Troll. Troll, c'est super puissant. 10 seconds Là, s'il a remaining. une BKB,
ça dure arrêter, ou même Lincoln, je sais pas ce qu'il va faire. Le troll de BKB, c'est pas mal, mais bon, il y a des trucs pour passer la BKB. Qu'est-ce que je compte faire à côté? Il y a plusieurs possibilités. J'aurais peut-être confirmé un range carry un peu. Parce que si on met trop de corps à corps contre le vacuum, ça va être compliqué. Oh! Slardar. Slardar offlane, probablement. Et Shaker Sup. Ouais, du coup, c'est quasiment sûr, c'est un Necromid. Par contre, qui mettent un peu de range quand même. Botinsen et Tino, ils seront tous dans le vacuum, mais ils vont pas pouvoir s'en sortir avec le casquette et la charge. Ils vont être vraiment coincés en plein milieu du mur. Troll qui va free DPS après. Et B qui prenne morphine, ok, ce sera probablement, c'est forcément leur carré. Je vais leur mettre un peu de DPS par dehors. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Khalifa, du coup, il y a Khalifa qui a le choix entre prendre un mid ou un carry. Déjà, un Necrophos mid, c'est super puissant, donc faut attention à Mirana. Mirana contre Necrophos. C'est pas si mauvais, je trouve, parce que bon, c'est un peu de magie et Necrophos, bon, au mid, c'est super compliqué de le tuer si t'as pas un peu de magie à cause de son ghost. Rana c'est possible, en plus elle peut le disable, donc elle peut bien le right-click après. Elle fait arrow, right-click, et elle finit par envoyer son 1. Soit elle le tue avec son 1, soit il ghost et il meurt avec le 1 aussi. Je pense que c'est pas mal. Plus, je suppose que Bara va assez tourner, donc il pourra aider la Mirana. Et Mirana, même s'il y a un punch qui reste à côté d'elle, elle peut toujours jump, essayer de fuir avec le jump. Donc, bon. C'est pas trop fragile contre les gants du Pudge. C'est un peu de magie pour tuer le Necrophos. Puis ça peut bien combo avec Bara. Hein. Bara charge, et si elle arrive à aligner la roue, bah, c'est pas nul. Alors regarde, donc... lui, il a une sentry. Celui-là pour des wards. Lui, il a les deux wards. En face, ça a déjà smoke. Il y a un TP, bon ils ont pas de TP mais j'en suis. Lui il a une ward, mais c'est un tri. What? Il a tout acheté. C'est qui le mid? Ah il a acheté ses propres tangos, ok. C'est pas du souci. Il y a la deuxième ward. Ok.
Non, stop. Dodge à Innovar, Donaldi, Necro à Innovar, bien centré. Ça part, on va tenter un first blood de la part de des potes insane. On peut voir, ils sont déjà 4 en position. Morphine qui va bouger prendre sa rune. Comment ils vont prendre ça? Oh, il s'est révélé un peu trop tôt le punch. S'il s'est révélé, pourtant il aurait pu juste laisser un des deux stunners aller en première ligne. Du coup, Barra qui s'en est rendu compte, il va les chasser. Je sais pas si Mirana va l'accompagner ou pas. Pour le moment, il veut pas y aller. Ah mince! Là, j'avais oublié. J'avais oublié mon micro. Suite. Du coup, ici, Barra. Non, Barra n'a pas eu la rune, c'est Morphine qu'il a eu. Ça fait 4 runes, 3 runes. Double shield dès le début. Oh. Enfin, qui bon, sent bien la présence de Darkseer. Bien chiant pour vous. Au top, comment ça se passe? Trilane contre solo Slardar. C'est compliqué là pour Slardar parce que. S'il se fait trop stun, et ben, enfin, s'il se prend un bon stun, et ben, c'est compliqué pour lui. Par contre, il a de la chance, ça push un peu la lane, du coup, pour gratter l'XP sous la tour. Il a un peu de gold. Oh, il l'a pas pris. Voilà, il fait déjà 2-3 last hit, hein, c'est toujours bien. Le crow. Ah, c'est chaque heure mid. Ok, bon, c'est Gary qui décide. Hein. Ça charge quelque part, je sais pas trop c'est où, c'est sur le Barra. C'est sur le clutch. Bon. Pas besoin de. Forcé de la part du partir, normalement son copain est fini. Qui sait? Oh non, 200 PV, il n'y arrivera pas. Bonne tentative de rotation, mais bon, le punch s'en est rendu compte. Je sais pas s'ils sont passés sous une ward ou comment. D'une manière ou d'une autre, il a su. Ah, je pense que c'est peut-être ça, je sais pas. C'est les Propos ou c'est Slardar qui prend les Slardar 3-0, les Propos 1 plutôt Slardar. Oh, il y a eu un first blood de bot. Oh, sur le Darkseer, il y a eu un hook du punch. Du cap. Ouais, il a fait rentrer le hook. 300 damage pur. Bon,
Flynn qui a plutôt un bon form, hein. Dynastic, Medina, il fait plutôt bien. Bon, il est quand même face à un Darkseer, c'est assez chiant, général. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est troll. La style de deny, ok. Par contre, de ce côté, Slardar, la style bien 5. Darkseer, c'est impossible. Juste Darkseer a eu une mort. Oh, Darkseer, il aime trop stack les bouboules. Ça push énormément, ça, parce que ça fait énormément de dégâts. Morphine tranquille, il est serein. Il fait plein de deny. Il est ici du côté de. Troll. Ah, ils vont tenter le Slardar. Oh, la charge un peu late quand même. Oh, peut-être que c'est assez avec ce Lucky Stun. Combien de dégâts il va prendre? Non, 52 PV, il a survécu. Oui, ça change sur lui. Oh, il a pas pris son ghost, lui je pense qu'il meurt. Hein. Il prend pas le ghost, donc. Ça fait de lui une cible facile. Et c'est pour Mirana. Régène tranquillement sur le. Mirana 12 lastit 5 deny. Checker 18 lastit 5 deny. Bon, il est pas trop mal le checker. Mirana qui est déjà level 5, il a déjà un level de jump. Du coup, si bon, si elle se fait ouf, elle peut normalement fuir. Je dis normalement. Ouh, qui passe un peu derrière. Il faut s'inquiéter une fois que Luke est passé. Nos bots, les morphines, ils souffrent toujours, mais bon. Toujours en vie, mais. Elastique toujours assez bien. 24-15, 17-3 le troll. Troll galère un peu plus au niveau d'Elastique. Morphine, enfin. Il est quand même face à un Darkseer 1v1. Il arrive à quand même avoir 25-18, c'est plutôt. Enfin, c'est très bien même, je dirais. Alors que le troll avec sa trilline, il est encore 4-17-3. Oui. Il galère un petit peu plus à la style. Vraiment en bas qui se bat toujours. Touch qui. Oh. Barra a pris la DD. Oui, est-ce qu'il va se. Est-ce qu'il va se faire hook? Ouh, la flèche qui touche. Le casque qui tord. Gary qui s'est un peu rapproché. Et hop là. Un kill pour. Mia. Je crois que Gary a vu quand il a wardé, du coup il a pingé, mais je suis pas sûr. Ouh, le hook de punch qui est encore un peu court. C'est ses premiers levels. Oula. Ils ont beaucoup wardé de ce côté. Je sais pas s'ils ont fait une erreur ou si c'est quoi. Si les chiffres sont pas mis d'accord, ils ont mis 2 wards ou 1000. Bon. C'est compréhensible. Il y a le punch qui arrête pas de traîner dans le coin, mais. Il est toujours utilisé autre part, le ward. Est-ce que c'est la souveraine qui arrive? Ouais. On disait, il fait pas souveraine. Oui, ça se bat du coup. Contre qui? Non. Ça n'a pas chargé. Baran n'avait pas de mana pour charge. Il était resté pisse du coup. Une morphine qui part direct de Linken. Hein. C'est dont il a le plus besoin, je pense. C'est un ping jaune, c'est Gary le jaune. Il ping ici depuis tout à l'heure, il sait qu'il y a une ward. Cette sentry, elle a déjà des wards, de la ward ici. Mais celle-là, elle a pas toujours été partie. Barra qui se place au mid.
Ouh, Gary, il mène bien au niveau lastite, hein. 36-7. On est à 23-8. Bot qui ça commence un peu à se taper. Darkseer qui utilise le run. Bah, tranquillement. Au top. Top. 19 plastic ce Slardar, c'est vraiment pas mal. Darkseer il a bien. Bah, plus ou moins le même lastic. Le même lastic. Slardar qui est direct à marquer. A marqué Blink, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Hop, Hutch qui traîne toujours dans les alentours. Est-ce qu'il le voit? Non, il le voit pas. Ah, Gary, il sait que c'est wardé exactement ici. Ses copains, ils se rendent pas compte parce qu'ils ont déjà mis une sentry juste ici à côté. Ouh, Laro, non, Laro qui n'a pas touché. Ouh, Gary qui a failli rentrer dedans sans faire exprès. Enfin, le timing du lancement de Laro, il était bien. Du coup, c'était pas une arrow facile à voir. Nécro et Pump sont contraints de bouger au mid. Bon, on est tranquille. Ouais, ils ont vu le pledge grâce à ça. Murana qui a essayé de tenter la rune bot, bon, il est pas. Murana qui continue au bot. Une top, c'est Gary qui va la prendre. Ouh, la roque a touché avec les trucs derrière. Oh, ça c'est trop. C'est trop OP, Morphlin. Malgré le fait qu'il soit stun, il peut utiliser son. Comment ça s'appelle? Malgré le fait qu'il soit stunné, il peut utiliser son morph. Et du coup, il a augmenté ses PV, même s'il était stun par la roque 3 secondes au moins. C'est ça qui est bien avec Morphlin. Ils sont vraiment puissants. Oh, au top, ils vont le tenter. Est-ce que le barrel va charge? Non, pas le temps. Ouais. Gary qui a tout cast, c'est un classique. En plus, il était sous arcane, du coup. C'est assez worth. Ouh, Myrna, elle est montée top. Elle a failli prendre des risques. Pendant ce temps, il y a le docteur qui essaie de ramasser un peu l'XP du mid. Attention quand même, parce que c'est chaque heure le mid, du coup, bon. Il fait mal, hein. Mais il a 5 levels de plus. Oula, il prend des risques en tankant les double Iron Shield. Bon, ouh, il y a eu un hook. Oh, Barra a été charge, ulti Myrana. Barra qui a charge dans le tas. Oh là là, il aurait pu essayer de charger un peu plus loin. Oh, Pudge qui a eu de la chance, il s'est deny. Notre passif, toujours pas de ghost, il va mourir du coup. Oui, il peut encore mettre son level, là il est 1, 2, 3, 4. Il est level 5, donc il peut encore prendre le ghost et essayer de ghoster, mais oh. Après, le barrage, c'est bizarre, il a chargé dans le tas, il aurait pu essayer de charger, par exemple, ici. Mmh.
Il n'y a pas pris de cinquième sort du coup. Bon, faites gaffe les gars, parce que là par exemple Gary il écrit dans le truc. Là il écrit crève par exemple. Et normalement bon, on n'a pas le droit d'écrire des choses comme ça dans le chat à tout le monde. C'est le seul truc qu'on peut mettre dans le chat à tout le monde, c'est good luck, have fun, pause, go, des trucs comme ça. Mais pas des trucs, enfin, pas des trucs qui sont trop mélangés à la game. Enfin, ouais bon, il faut pas trop parler dans le chat quoi. Mirana qui a une rune test. Docteur qui va aller poser une sentrie, non, y a rien. On va voir des... Et noir, ok. Non, il faut garder du gold. C'est Morph et Shaker les deux premiers. Après, c'est Troll et Mirana. Troll et Mirana, elle est un peu en galère comparé à son mid en face. 36-14-0-0-2. 65-8-2-0-0. Oui, ça charge. Non, ça va pas charge. Il a cancel, il a été stun par le Roshan ou c'est quoi? Il a cancel. J'ai plus l'impression qu'il a été stun par le Roshan. Oh, au bot, ça tente. Oh, Pulse qui hook, mais non, c'est pas rentré. Surge. Non. Personne ne tire à personne. Ouh. Ouais, non. Doctor. KTP bot. On n'a pas de quoi le faire. Oh, Arrow. Non, les MK qui vont décider de prendre le bot. Pendant ce top, le troll s'est fait dive. Ouais, il y a le shaker qui est monté, il a sa blink. Du coup, ça c'est broken. Ouais, du coup, les MK vont essayer de prendre le bot. Oui, il a tenté un vacuum, mais le Pudge était déjà à l'extérieur. Ils vont tenter de le tuer, bon. Il est assez isolé. Ils n'ont pas assez de contrôle. Il a juste couru et tout allait bien. Bon. C'est la première tour, ouais. Première tour de ce match. C'est les MK qui me prennent. Morphine, il a des calomnies en attendant. Oh là 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 là, dans le tactical. Bon, après, c'est contre eux, hein. Ils viennent de smoke au moment où la smoke se dévoile à côté du morph. La Mirana déco. Comme je le dis, c'est contre eux, hein. Ah, du coup là, les bots insane, ils ont le temps de se concerter pour voir ce qu'ils font. Parce que là, il y a le morphine, mais lui, il peut. Qu'est-ce que je disais, oui, les pays devaient se concerter pour voir s'ils y vont ou pas. Parce que là il y a quand même Morphine, mais Morphine il va pas se faire burst, de toute façon il peut encore morph en force. Après il y a Shaker pas très loin qui peut venir, Necro et Pudge.
s'ils veulent tenter. Donc ils ont le choix là d'y aller, donc pas y aller. Stardust qu'il a un TP, il a un TP aussi, donc le TP Shrine, le TP sur la tour. Donc ils ont beaucoup de choix. Qui est bon. Troll qui a son lifesteal. On va regarder un peu le système. Il a juste le pack basique, hein. Pas spécialement stuff, lui la persévérance, donc c'est pas mal, hein. Il aura sa linken dans pas longtemps, en plus je crois qu'il a pas mal de gold déjà, bientôt sa linken, mais il fait pas de bot apparemment, bon c'est son choix, hein. Après c'est qui Microphose, bon il a le strict minimum d'un support, hein. Après on a Shaker qui a déjà sa blink avec une bouteille et botte de mana parce qu'il a été mid, Slardar il a pas mal de thunes, mais évidemment il fait le rush blink. En face, on a le Dark Seer, bon, ça c'est le minimum, c'est de là, mais je pense qu'il doit avoir un peu plus quand même, ouais. Il va direct faire Mécanse, ok, il va essayer de faire de la régène. Troll, c'est assez pauvre quand même, hein. C'est assez pauvre. Pourtant, la stick, il est pas, enfin, non, je pense qu'il aurait pu en faire plus. Bon. On verra ce qu'il va faire, peut-être qu'il a des items dans le coursier. Ouais. Ok, il a déjà ça au moins. On va faire Shadow Blade. Après, le Barra, bon, c'est le strict minimum, mais je dis pas forcément bien. Doctor, ouais, Doctor, lui, il est plutôt classique, hein. Pas de mal à truc, ça c'est support qui a été pas trop mal dans sa game. 2 kills pour lui, c'est largement suffisant. 2-0-0, ça lui donne pas mal de gold. Et après, Mirana. On a un peu short quand même, hein, parce que pas grand chose, peut-être qu'elle a de la thune, on peut pas savoir les découpes. C'est pas son récolte 376. Non, c'est pas le récolte. La game reprend. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont tenté le morphine. Ouh, le morphine qui s'est pris la rose, ça par contre c'est. En plus il est sous malédicte. Ouais non mais. Il passe après, là ils vont se prendre la contre-attaque du shaker. Oh le casque qui va rebondir. Ouais, mais pas assez. Parce qu'ils ont de la vision. Ouais, ils ont plus. Oui, oh, une arrow, c'est le shaker qui l'a prise. Ouais, mais de ce côté encore une Zardar. Avec Pudge en première ligne. Oh, Necrophos sur le titre. Oui. Voilà, je vais prendre le kill tranquillement. C'est le moment de charger, hein, je pense. Hein. Radiant's top tower is under attack.
Je crois qu'il essaie de profiter du space, mais bon. Ils ont fortifié, il a pas pu continuer. Soldier's fortune. My waters rise. I'll take that. Ouh là là. C'est l'air d'art qui doit avoir sa blink là. Ouais. Le niveau tower, c'est plutôt un MK qui mène son tour à 0. C'est pas beaucoup proche. Bon, ça se bat. Troll, il s'est fait retrouver tout seul. Arrow sur Punch. Hop, Mirana qui essaie de tuer le Punch qui meurt. Le wall, hop, Darkseer, ouh, ça va casse-quitte avec le Necrophos. Oh, le camp qui prend un petit peu des stuns. Oh, oh, Shaker, Echo Slam, boum, ça calme tout le monde. Shaker qui en tue un. Ouh, Shaker qui s'est fait arrow. Ulti de Docteur qui passe par en haut. Hop là là, le Shaker qui a pas pu finir tout le monde alors que tout le monde était low. Ouh, ouais, non, le Slardark, enfin, le faux Slardark court pas aussi vite que le vrai. Enfin, pendant ce temps, il y a le Morph qui fait son taf, prendre les tours. Ah, il a sa Linken, ce Linken va arriver dans le coursier. Ouh, très belle arrow de la part de Mirana. Très beau Echo Slam aussi. Le Shaker qui a fait un bon Echo Slam qui avait tué tout le monde. Là, tout le monde était low PV. Le Docteur, il a bien fait. Il s'est mis en high ground ici. Il a lancé son ulti de là-haut. Du coup, bon, Shaker avait pas la vision. Il pouvait pas trop savoir comment arrêter son ulti. Et puis Mirana qui l'a touché avec l'arrow. C'était magnifique. Mirana a bien fait de arrow parce que bon. Elle avait que 60 PV, je crois, ou un truc comme ça. Et elle a pas décidé de back, parce que sinon, Shaker l'aurait rattrapé, l'aurait tué, mais grâce à l'arrow qui était bien placé ici, il s'est pris full ulti Doctor et il est mort tout seul. Oh, ici, qu'est-ce qui se passe? AFK ou c'est quoi? Le galéré. Ah. Léo qui rate pas, donc, esquille. Le putt qui se remet un petit peu dans la game. Il a déjà pas mal de morts. Tout à l'heure, le putt aussi s'est pris l'arrow. Je pense que c'est... Ouais, il s'est pris la première arrow de Mirana et c'est Bara qui l'a fini, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, Shaker qui part sur une force staff, bon. C'est le build classique, mais... C'est la raison pour laquelle il est pas mid, mais plutôt... Enfin, mais plutôt offlane, parce que bon... Même s'il est riche et même s'il a du stuff, faire un mid qui fait blink force staff... Il a vraiment intérêt à assurer à côté alors. Oh, arrow ici. Oh mais ça n'y va pas. C'était arrow juste pour fricoter un peu. Jirama qui farme un peu parce qu'il a un peu de retard je trouve. Celui qui a le plus de retard chez les... comment il s'appelle? Chez les MK c'est Mirana. Pourtant elle lance de bons arrows mais c'est au niveau farm où ça galère un peu plus. Bon, qui essaye de farmer toujours. Hein. Orphlin casse à Linken, il a fait ses simples bots. Et là, il va faire Ethereal. Ok. Il fait le but de full burst. Hein. C'est vrai que théoriquement, il peut OS le Doctor et faire au moins mid-life la Mira. Quasiment tout le monde, je pense. Sauf peut-être le Bara. Ou le Troll, peut-être. Sauf peut-être le Troll. Troll et Bara.
Sinon les autres ils se font tous au moins mid-life, voire OS les docteurs. Slardar avec sa blink il va aussi faire une force staff. Oh il est co-slam, hop. Alors qu'il y avait l'ulti de Myrna pour engage. Hop, il s'est pris la roue, il a force staff, il a voulu finir en haut mais ça passe filtré ici. Troll qui ult, troll il a tapé qui? Troll qui a OS le... Comment il s'appelle, le Pudge? Troll qui est en train de taper le Nécro, non ça désengage. Ça désengage les autres de côté. Bien, les MK ils en ont profité pour déwarder vite fait. Bon, voilà la fight. Oh, c'est pas mal là, au moins c'est pas... C'était pas une fight de bourrin où t'as 5 morts en quelques secondes. Ça fait plaisir à voir les gens qui back un peu au fight. Qui se disent que bon, on va pas tout faire en une fois. Après, le trade, bon... Peut-être contre Doctor, hein, si vous... Trade un peu tout ça, enfin c'est les petits, c'est les supports qui ont surtout pris. Il y en a qui fait Midas. Je suis si loin de la Midas. Midas. Lui doit avoir sa mécance, moi. Mécance, mais il fait pas Graves, mais il part direct Blink. Il a pas tort, hein, je trouve, le docteur, parce que en face ils ont beaucoup d'initiation, donc sa Blink peut aider à contre-initier. Genre, s'ils sautent tous sur le troll là, Slardar et Shaker, il peut lui aussi Blink et va essayer de les vacuum pour les bloquer un peu. Troll qui farm, là sa Shadow Blade, go BKB direct. Ouais. Je pense que c'est ce qui c'est vraiment nécessaire là, la BKB, parce que bon. Comme on a dit, lui partait sur un build burst, du coup ça pourrait le protéger. Et après ici, il évite un stun, 3 stun. C'est ça, un stun, 3 stun. Bon, là il se fait stun, mais il évite la masse de damage. Là il se fait contrôle, mais il prend. Là il se fait contrôle mais au moins il prend pas les damage. J'ai entendu Naro, non c'est rien, c'est pour le farm. Oh, ouais, il est parti tout loin, très loin tout seul. Oula, troll qui prend des risques un peu bêtes, hein. Il part chasser comme ça sans raison. Oh, non je sais pas, non. Il a été dodge du coup, bon. C'est dur pour lui de back. Arrow. Ouh, Arrow 4 secondes sur le Necrophos, mais il est bien... Enfin, il y a 3 de ses potes autour. Ça fait un peu peur quand même. Mort qui du coup continue bot. Ça ping au bot là, c'est le jaune. C'est le troll qui ping ici. Du coup, il tente de prendre le haut, les bots. Bot insane, bon. Il est en train de se faire rattraper en farm le shaker 97, Myrna 87. Je crois qu'à un moment elle avait un plus grand écart que ça. Oh, le push qui go faire éthéréal. Le push de shaker éthéréal. C'est pour enchaîner les magiques, mais je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. Je suis pas trop fan, enfin. Je pense qu'il avait d'autres thèmes plus intéressants à faire. Le truc de réclic. Hop là, Blink Slardar, hop. Blink Shaker, hop. Oh, il est. Qui l'a force staff? Quelqu'un l'a force staff? Je crois que le Slardar l'a force staff. Oh, Arrow. Ouh, ils vont peut-être le tenter, hein, parce qu'il a... Oh, il n'a pas été très rapide. Oh, il y a le hook ici sur la Myrna. Ulti Myrna. Myrna qui se fait dismember. Myrna qui meurt. Le wall avec le vacuum. Hop. Troll qui essaie de DPS, mais bon, pas assez. Hop. Shaker qui a ulti. Slardar qui essaie de stun un peu le tas. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il n'a pas pu courir. Ulti Doctor.
Ça fait des mages par-ci par-là. Non. Shadowblade du troll, troll qui part à la chasse. Tranquille. Oh, la dust, la random dust qui n'a pas touché. Le troll n'a pas été touché par la dust. Barra qui charge, est-ce que ça va y aller? Oh, c'est plutôt aller sur le... Slardar a blinking sur le docteur et... C'était un bait. Ouh, il arrive peut-être à s'en sortir, force staff. Oh, le truc de troll qui touche pas. Le slow de troll qui touche pas, du coup... Le Slardar s'en sort. Pendant ce temps, il est toujours en train de farm le Morphline. Hein. Oui. Oh non, la roue qui ne touche pas. Oh, il a pris son éthéral et direct il l'a OS. Ah, ça non. Ça normalement c'est interdit là. Il est Christmas Escape. Faudrait pas trop. Enfin, faudrait pas trop normalement. Niveau gold, là là là, le Morphine il prend ses départs là, il commence à devenir impossible. Là je pense qu'il OS tout le monde. Hein. 127 agi. Troll qui va faire une erreur là. Non, il n'arrivera pas. Hop, le 2, non? Ah, le troll là, déjà, il l'a senti passer. Ça l'a pas touché, mais je pense qu'en réalité, il est pas dégueulasse. Petit Murana. Slardar qui accompagne le Morphine au cas où. Morphine va farm mais il a laissé une île de Dark Seer ici au cas où. C'est nécessaire de revenir. Le Morphine qui trouve vraiment beaucoup beaucoup de space. Mirana qui arrive pas à trop revenir dans le farm. C'est galère, c'est plutôt docteur qui. Plutôt docteur, plutôt Darkseer qui monte du côté de MK. Il va faire quoi? Il va faire pipe. Ouais, c'est pour pour ses magiques, là, Shaker, Nécro, même Pull aussi, et même Morphine, que de la magie. Enfin, pas mal de magie, pas que mais pas mal de magie. Pipe, c'est pas mal. En plus, bon, c'est un Darkseer, donc il peut la farmer assez vite. Ça, c'est cool. Oh, pick up sur le troll, ça c'est super bon de la part des bots. Troll même s'il est pas super haut, bon c'est toujours bien de le tuer parce que il est ralenti à fond. Shaker qui se place déjà. Ouh, that wall. Oh, bien joué de la part de Gary. Il a mis un bon wall. Ouh, ça va déjà monter. Ouh, où est de la part du morph. Casquette. Thank you.
coup du. Le docteur qui est redescendu à fond niveau network, hein. T'es super haut, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a qui a que ça Midas encore, aïe aïe aïe. Oh! C'est juste qu'il il voit plus la Mirana, mais la Mirana normalement elle meurt. Hein. Normalement elle meurt, mais. Et son jump lui a permis d'être un peu caché. Heureusement. Oula. Arrow, mais l'arrow est évité, hop. Le mort qui ouest le. Mort qui ouest le spirit. Un nécro ult sur la Mirana, ça l'a pas tué, mais elle est low. Oh, elle est marque. Tuée par le shaker avec le. Marque du Slardar. Oh, ça va direct aller tout droit, je pense, hein. Oh, il y a une BKB qui sort, c'est le troll. Oh, le troll qui sort sa BKB. OSP, je pense. Oh, docteur qui a le temps d'ult. Est-ce que ça fait assez de damage? Oh, il y a la mécanique donc qui protège bien. Ouh, le morph qui OS. Là, OS, le docteur qui était en train de ult. Oula, la blink qui est pas assez longue. La roue qui a touché. Est-ce que ça va tenter? Non. Shaker qui protège bien. Donc ça c'est interdit normalement. Oui. Oh, Dato S. Oui, du morph. Non. Ah oui, le morph a déjà scadi quand même. Ah oui, quand même. Ça lui fait plein plein de stats. Personne n'a envie de s'approcher du morphine, c'est tellement, tellement de damage. Bon. Ben oui, tant qu'il n'y a pas de trash talk, mais quand tu dis lol, ça veut dire que tu te fous de la gueule de l'adversaire. Souvent, quand tu dis lol, c'est parce que le mec adverse, il a tenté un truc et il a raté. C'est comme quand tu fais ça. C'est comme quand tu fais un point d'interrogation, enfin... C'est un peu de la provocation, quoi, et ça peut mettre certains hors de soi. Bah si, tu dis pas lol pour rien, quoi. Tu dis pas lol pour rien. Sauf si c'est vraiment un lol, un truc drôle qui s'est passé, mais là, c'est surtout pour dire, ouais, pff, Arro 5 secondes, ça me fait rien, quoi. Enfin, je le vois plutôt comme ça.
Ah, c'était la game 2, ok, je savais pas.